Dans le jeu, le talent magicien est décrit de la façon suivante. Les capacités volent aussi l'objet tenu par la cible. En d'autres termes, vous lancez une attaque, si vous n'avez pas d'objet, vous volez celui de l'adversaire. En gros, il s'agit d'une attaque larcin incorporée avec toutes vos attaques. Donc, la description donnée dans le jeu est parfaitement exacte, il n'y a pas de vis caché. Magicien est un talent caché. Il n'y a aucune chance de le trouver dans la nature, mis à part dans les safari amis ou dans certaines hordes. Peu de Pokémon ont accès à Magicien. Tout d'abord, il a la lignée d'évolution de Goupelin, ainsi que Trousselin. Certaines rumeurs disent qu'un Pokémon pas encore dévoilé, nommé Oupa, disposerait également du talent magicien. Le fonctionnement est simple comme bonjour. Une attaque offensive qui touche permet tout simplement de voler l'objet. Là, le Tritosaur est dépossédé de ses restes. Étant donné qu'il ne faut pas avoir d'objet tenu pour que Magicien s'active, il faut trouver moyen de consommer un objet pour pénaliser l'adversaire. Ou alors de jouer sans objet, même si votre stratégie se voit à 50 km. Le bon plan, c'est donc de consommer un objet grâce à une attaque que vous déciderez vous-même de lancer. L'herbe pouvoir est un très bon exemple. En effet, en lançant lance-soleil, cet objet va vous permettre de ne pas avoir à attendre le tour de chargement nécessaire à l'attaque et donc vous libérez votre place d'objet et ainsi voler l'objet de l'adversaire directement. Certains magiciens plutôt défensifs pourront opter pour une baie, comme une baie prine ou une baie citrus, afin de libérer le slot d'objets une fois un seuil critique atteint. On déplorera toutefois la disparition des joyaux, tels que le joyau feu ou le joyau psy, parce qu'autant dire qu'il y aurait de très bons combos à faire en consommant le joyau pendant l'attaque, tout en volant l'objet de l'adversaire. Le talent magicien semble également montrer un petit glitch quand il est utilisé. Celui-ci concerne l'orbe vie. En effet, lorsqu'un magicien vole un orbe vie, il subit les dégâts de recul en même temps qu'il lance son attaque qui a permis justement de voler cet objet. On pourrait alors penser que l'attaque bénéficie directement du boost de dégâts dû à l'orbe vie. Démonstration en image. Sur les deux écrans, Goupelin lance l'attaque lance-soleil qui est activé en un tour grâce à l'herbe pouvoir. Mais le Kangourex n'a pas le même objet. Comme vous pouvez le voir, sur l'écran de gauche, le Kangourex a un orbe vie, sur l'écran de droite, des restes. Sur l'écran de gauche, Goupelin subit les dégâts de l'orbe vie, mais quand on regarde bien, Kangourex, dans les deux cas, est resté à 191 points de vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de boost de dégâts. Par ailleurs, Magicien ne vole pas un objet qui a déjà été consommé. Voyons l'exemple d'une ceinture force. A gauche, l'attaque lance-soleil désactive la ceinture force mais ne la consomme pas, tandis qu'à droite, la déflagration consomme la ceinture force. Elle est volée à gauche, elle ne l'est pas à droite. La meilleure façon de contrer un magicien, c'est de faire en sorte qu'il ne puisse pas nous voler d'objets. On pensera par exemple aux Pokémon qui sont dotés d'une méga-gemme, méga-gemme qui ne peut pas être enlevée de ce Pokémon-là. On pensera également au talon glu, qui fait le même effet sur son détenteur. Enfin, certains objets ne peuvent pas être retirés du Pokémon, on pensera par exemple aux plaques quand c'est Arceus qui les porte. Un magicien peut également se contrer lui-même en volant un objet pas du tout adapté. Par exemple, voler un orbe toxique, une boue noire ou des piquants, c'est pas vraiment conseillé. Petit exemple en image. Mon Tritosaur est contre un Goupelin, je sens bien venir le lance-soleil et je veux garder ma limace. Donc je switch. J'envoie quelque chose qui va pouvoir tenir le lance-soleil, il s'agit de Darumacho, et en plus je vais lui tendre un petit piège. Pourquoi ? Darumacho est équipé d'un banc de choix, et là un Goupelin qui vole un banc de choix, ça le rend vraiment moins utile, puisque c'est un objet qui va le bloquer sur une attaque sans booster quoi que ce soit. Donc c'est bien joué de ma part, Goupelin est pénalisé. En conclusion, je dirais que Magicien est un talent sympathique, mais sans plus. C'est le genre de talent que l'on va choisir parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à côté. Par exemple, pour Trousselin, Farceur est un excellent talent et on verra assez peu de magiciens, tandis que Goupelin, lui, dispose d'un brasier qui ne va s'activer qu'avec des points de vie très bas, et Magicien est peut-être un peu plus utilisable de ce point de vue. Cela dit, tant que les joyaux ne sont pas accessibles, ça reste au final assez gimmick, puisqu'un Goupelin doté de restes pour les versions défensives ou d'un orbe vie pour les versions offensives fera un travail plus rapide et plus efficace et surtout qui ne dépendra pas de l'objet volé et donc n'aura aucune notion d'aléatoire dedans.
Il peut toutefois servir de pseudo-sabotage pour bloquer un Pokémon qui pourrait être vraiment gênant en face, mais attention justement à ne pas bloquer votre propre Pokémon dans la manœuvre. La note, 6 sur 10, en terminant par fun mais peu fiable. Attention quand même, cette note-là, ça risque d'être l'une des plus élevées qu'on verra dans ses incurables talents.